Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. J'espère que on est bien installé déjà. Moi je suis pas trop mal installé d'ailleurs. Et je suis avec Arcangel, Alfie et Metal. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors comment vous allez pour cette soirée de retour de vers le futur de Halloween? Ça va. Ça peut aller. Je suis en vacances. J'ai appris la différence entre un bus et un car aujourd'hui, donc je suis heureux. Ah, il s'est instruit. Connaissance inutile en plus. On pourra oublier d'ici demain. C'est un peu ça, ouais. Ouais, il y a moyen. Voilà. Je ressentirai dans 5 ans quand ça me reviendra au milieu d'un repas. Je vais lancer la preview du général de Metal. Voilà. Let's go. Let's go. Avec quoi es-tu venu, Metal, aujourd'hui? Moi, je suis venu avec un deck qui me fait peur. Je sais pas si je vais réussir à toucher les cartes. C'est un deck araignée. Donc j'aime pas trop les araignées de base, en vrai, mais du coup je me suis dit que ça allait être pas mal pour Halloween. Alors Ishkana, donc mon commandant, c'est Golgari, donc vert noir, c'est une 3-5 avec la portée, qui a le Delirium. Alors Delirium, ça fait longtemps que j'avais pas vu, c'est quand ça arrive sur le champ de bataille, il faut que j'ai 4 types ou plus dans mon cimetière, 4 types de cartes, genre éphémère, rituel, terrain, campement. Et si c'est le cas, quand elle arrive, du coup, elle arrive avec 3 petites amies qui sont des 1-2 araignées. Et pour 7 mana, ce qui est quand même beaucoup, un adversaire ciblé perd autant de PV que j'ai dernier. Ça, c'est sympa. On est un peu à la cool, hein, donc du coup, tes 7 mana, tu vas les avoir. Hein. Oui. Ouais, mais du coup, j'ai pas non plus des moyens de faire une infinité d'araignées. Donc, ça te compense. Mais oui, je devrais peut-être pouvoir y arriver. Et c'est tout pour moi. C'est le but du deck, c'est faire des araignées et après payer cette mana et détruire des gens. Parce que j'aime détruire des gens. On est comme ça. Ouais. Ok. Moi, du coup, je suis venu avec un partenaire pour changer. Hein. C'est vrai que ça me ressemble pas. Roda et Timin, du coup. Voilà, quoi dire de plus. On est sur un tribal spirit, hein, finalement, même s'il y a un humain dans le tas. Il y a quelques cartes qui ne doivent pas être spirit de mémoire, qui ne sont pas des esprits. Mais voilà, donc on va être sur un deck qui va plutôt engager les créatures adverses. Ça va faire gonfler Roda en parallèle. Et puis voilà, puis on va coller des tatanes à coup de 21 points de général, on va essayer ça. Toi. J'avais lu Timmy. Et Timmy. C'est Timmy. C'est Timmy et Rondin. J'aime bien le truc. J'aime bien les deux. C'est à qui après, Olivia? C'est Arc, oui. Ouais. Alors, moi je suis venu avec Olivia à Crimson's Braid. Un petit deck vampire qui n'aura pas décidé de mourir. Hein. Mon principe, c'est simplement de faire un petit deck réanimation avec un tribal vampire. Le général dit simplement quand il attaque, je ressuscite un vampire attaquant. Okay. Et ça marche bien. Ouais, et le seul truc, c'est qu'il dit que si je ne contrôle plus de vampires légendaires, j'exile la créature. J'adore aussi cette carte. Je l'avais joué dans un deck Diada et ça marchait très très bien. Et bah, je viens de la découvrir et en vrai, très drôle. Vraiment, bonne découverte. Très très drôle. Très débile. Bah, elle toute seule, elle fait des trucs déjà, donc ça c'est pas mal. Oui, c'est ça, exactement. Le fait qu'elle ait sérité, c'est... Ah, bonjour. Et je vais finir par l'essence d'Halloween. Vraiment la peur, parce que je suis venu avec Umbris, la manifestation de la peur, qui est un deck tribal horreur, avec un peu de nightmare dedans aussi. Hein, voilà. Que sont les cauchemars sans les horreurs? Voilà, c'est vraiment, c'est toutes les... C'est beau ce grandes... que tu dis là. Ah ouais, c'est vraiment, moi, on m'a dit deck Halloween, quoi, je respecte le thème, moi je joue pas des... T'es pas poète dans une autre vie Ou des vampires, moi je joue des horreurs et des cauchemars. Alors moi je tiens à dire que pour un deck spirit, je suis quand même le seul à l'écran. Hein. Voilà. J'ai envie de dire ça. Quoi? Je l'ai pas. Mais en même temps, si vous regardez pas le live, vous allez pas vous comprendre. J'ai cru qu'il avait fait un AVC.
Ça y est, tout de suite. Oui, okay. Je me venge. Ah, je vois ça. Alors que, voilà, de nulle part, le chat te comprend pas. Jetez-lui des pierres. Voilà. Voilà. Misdirection. Ah ouais, ok. Rappelle-toi que je suis un joueur de bleu. J'ai des réserves. J'ai des réponses. Et bien sur ce, je propose qu'on y aille, mais évidemment, avant ça, vous connaissez évidemment le principe. Si vous découvrez la chaîne, et quoi du coup, sinon vous ne connaissez pas, et son contenu, et bien du coup, déjà bienvenue à vous. D'autre part, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, comme vous voulez, vous désirez l'appeler. On est un peu plus actifs quand même sur Twitter. Nous avons également le Discord, si vous avez envie de poser vos questions, vous avez des decks que vous avez envie de tester, vous avez envie, vous avez des questions de juge, tout simplement, vous avez envie de parler avec les membres des chroniques, bah, n'hésitez pas, vous pouvez déjà le faire ici, mais vous pouvez évidemment le faire sur Discord à n'importe quel moment, évidemment, puisqu'on est en live que jeudi soir pour le moment. Évidemment, nous avons YouTube, puisque tout se retrouve là-bas, si vous ne pouvez pas rester, parce que quelquefois les soirées finissent tard, on le sait. Même si on quelquefois ça nous chagrine aussi, on voudrait dormir, mais finis tard. Et donc du coup vous pouvez récupérer le replay à partir de lundi prochain, tous les lundis soirs en fait vous récupérez les replays dès jeudi soir, donc n'hésitez pas à passer à ce moment là vous pouvez même activer la cloche tant qu'à faire, et comme ça vous serez prévenu au moment où le replay sera disponible, ce qui est souvent quelquefois il a peut-être des petits décalages, mais bon c'est pas grave. Moi je vais commencer par le passage des ancêtres, vas-y, Regan. Passage de mes ancêtres. Passage des ancêtres qui doit être dans tous les decks. Hein. Alors, je voudrais bien que Regan mette ses cartes un peu sur le côté, parce que là on a l'impression qu'elles sont déjà dans le jeu. Ouais, elles sont bien là. Elles ont tout ça de marqueur derrière, tiens. C'est lui qui décide. Donc, j'essaie de relancer, acheter mes POG. Oh le POG. Fin de tour. Ah oui, hop là, du coup. Essaye de. C'est bon, fin de tour. Ok. Faire, hein. Et ben, je vais piocher, je vais mettre un petite poule, pardon, qui va arriver engagé, et avec 0 mana, je pense que je vais passer mon tour. Ok. Pioche. Petit marais. Et bien entendu, je fais un deck vert. Rampe. Il rampe. Portée de Kodama. Ah non, Rampant Grosse. Ouais. Porter du Kodama avec 2 manas, c'est un peu compliqué. Hein. J'étais en mode. Non, enfin, il sait lire. Ouais. Il sait compter. Je mélange à la fin de mon tour parce que j'aurais rien à faire. Je peux y aller. Ça marche, je prends le tour, je fais une plaine, je lis ma carte et je fais un. C'est important de lire les cartes. Un Nibilis of the Urn. Voilà. Que fait-il ? C'est une 1-1 vol non inconnu spell table, je pense que c'est la première fois qu'il scanne la carte. Ça vit. Et du coup c'est une 1-1 qui dit que quand elle attaque, je peux engager une créature ciblée. C'est une 1-1 vol, voilà, c'est tout. Premier degré, c'est peut-être vraiment la première fois qu'il scanne ça. Je pense que oui. Tu peux prendre mon tour du coup ? Ouais. Tu peux y aller. Hop, ouais, c'est pas mal. Je vais jouer un marais. Je vais jouer une witch mark en me défaussant d'un vampire qui se nomme Anya. Oulala. Putain, j'avais pas lu. Anayon the Windsage. Un vampire 4-3 qui dit que au début de mon entretien, chaque joueur sacrifie une créature non vampire. Et du coup, la witch mark me permet de défausser un, piocher deux. Et ça va être une fin de tour, vas-y. Okay, et ben je vais dégager, je vais piocher, je vais lander un marais, et pour deux, je vais jouer avec Gloom. Oh, il joue ce marais. Ah, c'est lequel celui-là ? Il y a trop de Gloom. C'est celui du Double Master. Moi je trouve des éléphants de guerre. Ouais, pareil. Et il est beau, toi. Il fait vraiment très thème Halloween, tu vois, avec si je fais un peu par là, avec les arbres. Dire, ce qu'il fait, alors, Gollum pour 2, c'est une 2-1, et quand il attaque, donc il n'a pas besoin de toucher, je vais regarder les deux cartes du dessus de la bibliothèque, je vais les remettre dans n'importe quel ordre que je veux. Ensuite, je vais choisir un adversaire, et il va devoir choisir land ou no land.
si je vais révéler la carte, s'il a trouvé bon, il ne se passe rien. Et Gollum n'infligera pas de dégâts ce tour-ci. Et non, même, excusez-moi, je enlève Gollum du combat. Et si il s'est trompé, je vais piocher une carte et Gollum ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ah ouais. Oh. Ok. Oh, c'est pas mal. Jeu, hein. Et c'est une horreur. Mais vraiment. Oui. C'est une horreur. Les bâtards. Chifflin et horreur. Et c'est une somme tour. Ils n'ont pas respecté. Oh la vache. Pas du tout. Oh la petite claque dans le. Fin de tour, Alfie, pardon. Ouais, fin de tour, fin de tour. En même temps, je n'ai plus de mana, j'ai joué ma créature, je peux pas attaquer, il a pas la célérité. C'est vraiment pas été sympa. Je vais commencer par jouer une araignée qui est donc 1-3 portée. Comme toutes les araignées vont avoir portée. Hein. Mais celle-là, elle a le Wither, donc c'est-à-dire qu'elle met pas des dégâts, elle met des marqueurs -1/-1. Par contre, elle met pas de marqueur poison sur les adversaires. Et tu peux scry. Et je peux scry, bien sûr. On va essayer de la réveiller à tout le monde. T'avais quoi ce truc L'araignée de... Non, genre, de Sombreland. Ah bah elle est vieille celle-là. Avec le petit lapin. Et je vais demander pour le coup un temple de la maladie, comme ça j'ai un deuxième strike. Ça me plaisait pas. Ah. Ça je vais garder au-dessus. Et fin de tour. Alors du coup, Shizu Semi, merci pour ta proposition de commandant, qu'on va garder d'ailleurs, parce que je crois qu'on a déjà fait nos choix pour... je crois ouais. Moi je ne l'ai pas fait encore. Ah bah voilà. Pas fait encore. Je devais le faire hier, mais je n'ai pas eu le temps finalement. Bah, Shizu Semi propose un Kels, truqueuse de combat. Si tu me dis, je sais pas ce que c'est, mais juste sur la description du commandant, il y a moyen que ça parte. C'est un Dimir qui fait piocher. Non mais surtout l'aristocrate, j'adore ça. Du coup, Shizu Zemi, je te recommande avec de poster sur le Discord. Comme ça, on va pas oublier déjà, et on va pouvoir le noter dans notre tableur. Et comme ça, bah voilà. Alors, je peux te remplir exactement. C'est pour deux incolores et deux noirs. C'est une 4-3 menace qui, quand tu sacrifies une créature, tu peux payer soit un bleu, soit un noir. Et si tu fais ainsi, tu pioches une carte. Et pour un incolore, tu sacrifies une créature. Kels gagne l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est correct. Donc, moi, je fais l'archéome ancien. Tout le monde est full tap sauf un noir. Donc, je vais chercher deux plaines. Ça va me permettre de les révéler, les mains dans ma main. Et à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille chez un adversaire, s'il contrôle plus de terrain, je vais pouvoir mettre un terrain de ma main. Je vais chercher des cartes de plaine de base. Ouais, très important de base. Du coup, pour vraiment faire un pied de nez, je vais partir chez Metal. Je vais engager ton araignée qui est la porteur. Tu prends un, ouais. J'en profite tant qu'il peut, quoi. C'est ça, voilà. Parce que Spider-Man au sol, les gars. Spider-Man au sol. Est-ce que tu feras autre chose, Reagan, ou pas non. Avec ton zéro mana. Du coup, mon rêve que Spider-Man soit un commandant araignée. Je vais prendre mon score. Alors, je vais poser un terrain qui arrive d'étaper si je contrôle 2 ou plus de land. Pour 3, je vais prendre l'arc ennemi direct. Je vais faire. Non, oulala, qu'est-ce que je raconte. Pour ça va être compliqué là. Ouais, non. Pour 1, je vais tenter réanimation. Ah ouais. Sur mon vampire. Du coup, je perds, c'est sa force ou son coup de mana. Violent. Casting, c'est 5. Ok. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est une 4-3 qui dit qu'au début de mon entretien, on va tous sacrifier une créature non vampire. Ok. C'est bon, j'ai pris l'arc ennemi. À toi. Ok, d'accord. Qui veut le jeton monarque ? Je vais dégager, je vais piocher. C'est au début de ton et moi aussi, je vais lander un ship wreck marche qui arrive d'étaper si je contrôle deux terrains ou plus. C'est le cas. Déjà, je vais commencer par attaquer. Je vais t'attaquer. Écoute, Arcangel. Yes, c'est évident. Donc, je vais regarder les deux cartes du dessus. Mm-hmm.
Ok, je vais les mettre comme ça. Et tu dois dire donc toi non terrain. Et ben écoute, c'est en effet non terrain. Je te révèle, c'est une arène phyrexiane et donc du coup Gollum est retiré du terrain. Et retiré du combat. Okay. Du combat. Voilà. Donc il ne se passe rien. Il est dégagé d'ailleurs. Non, c'est juste retiré du combat, c'est pas dégagé. Hein. Ah, il est pas dégagé. Non, non. D'accord. If Vegas right, remove Gollum from combat. Mais c'est pas marqué, c'est pas dégagé. Ah, c'est... Ok. Pas à moins que la règle stipule que c'est dégagé, mais bon, voilà. Je vais engager deux. Je vais jouer une Mindstone. Je vais engager la Mindstone et le Fetid Pool. Je vais jouer un Arcane Signet. Oh, il rampe. Je rampe. Fin de tour. Franchement, rampe à deux mana, c'est dégoûtant. Hein. Franchement, voilà. Ah oui, mais j'étais pas obligé de te dire toi. J'aurais pu dire un autre ah, c'est petit toi avec. Je pioche. Bah, c'est vrai qu'il y avait ça. Oui, c'est un adversaire, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Ah, d'accord. J'aurais très bien dû dire métal, et puis comme ça, j'aurais pu piocher ma carte. Et Gollum était imbloquable. Ok. Pour 5. On va jouer un Drider. Créature de donjons et dragons qui vénère l'Olt, la reine araignée. Spoiler est dans le deck. Alors lui, c'est une 4-3 portée. Et quand il met des dégâts de combat à un joueur, je fais une 2-1 menace et portée. Et araignée. D'accord. Sympatoche. Ouais, genre. Fin de tour. Alors attends, excuse-moi, ouais, j'étais pas dans le truc. T'as landé en plus, excuse-moi. J'ai landé un marais, ouais. Ouais, bah du coup je mets une plaine. Excusez-moi, j'étais concentré sur d'autres choses. Oh là là, le mistrigger. Ouais, c'est vrai, on est en 6. Ouais, en plus c'est Yumei, c'est pas obligatoire. Oh rien. Oh là là. Ces gens qui m'ennuient. Bonjour. Ouais, bah t'inquiète pas, on va vachement t'ennuyer. C'est... Tu m'ennuies déjà beaucoup là. Ouais. Tu sa créature? Ouais, je peux pas. Je joue bleu. Tu joues blanc? T'as des trucs pour exiler les créatures en blanc? Je joue esprit. Je passe à travers. D'ailleurs, je devrais même pas être sous la condition de sa capacité. Du coup, je vais aller en phase d'attaque et je vais te l'engager. Arc. C'est... Et en même temps, je vais t'attaquer toi. Je prends combien? 1? Tu prends 1. Arrête de te moquer. Fin de tour. Ça juge. Hein. Ah bah, ça étape. Du coup, on va tous sacrifier une créature non vampire. Ouais. Gollum va au cimetière. Je vais lander. Pour 3, je vais jouer Markov Baron. Tous mes autres vampires gagnent +1/+1. Ouais. Passe de Ya. Ça donnait quoi, une table du sondage ou pas par hasard? C'était Umbris qui s'en est sorti. Ah, allez. Moi je dis ça, je dis rien. Ils font confiance, ils font confiance aux sorties d'Alphie, c'est pour ça. Non, moi tu sais quoi, c'est, il tu sais a une belle réputation. C'est... Je... C'est fou. Allez. J'aime pas les esprits. Je vais te taper à 5. Oh. Tout de suite ouais. Le racisme envers les esprits, quoi, genre... La base, quoi. Il aime pas ce qu'on de l'intellect, tu vois, c'est pour ça. Ah, c'est bon, fin de tour. Aucun respect envers les morts. Non mais... Okay. Vous, arrêtez de prendre l'aggro. Je vais piocher... Moi, franchement, tu peux écraser les araignées, ça va, hein. J'ai landé une île... non, c'est... oui, si, j'ai landé une île. Comment je fais? Ah oui, j'ai déjà du mal à tenir ma main, là, en voyant tout ça. Je vais faire 1, 2 et 3. Du coup, je vais jouer une arène phyrexiane. Faut bien un petit peu piocher. Ouais. Et ça me fait chier parce que si je joue un truc, après il va mourir, quoi. Comme ça. Bah, écoute, arène phyrexiane qui s'est tellement fait power creep. C'est depuis le temps. Ouais. On va payer 3, écoute, et on va jouer un Read the Bone.
On va scry 2, piocher 2 cartes et perdre 2 points de vie. On va essayer de trouver des réponses. Excusez-moi, ça va être mieux pour faire ça. Alors, scry 2. Ouais, bah écoutez, on va garder les deux. Hop, je dois, je perds. Et bah, fin de tour. Ouais. Allez, à moi. Pioche, toi. Ah. Quand on parlait du loup. Ok. Attends, quand on parlait du loup. Il y a même pas. Mais tu es pas une créature, c'est chiant. Quoi? Et tu pas de créature? Ouais, mais elle en crée. Ouais, ça avantage quelqu'un, c'est vrai. En attendant. Du coup, Lot, la reine araignée. Donc, j'ai le souci, j'ai la reine. Alors, je sais pas que elle arrive avec 4 marqueurs de loyauté. Je sors des marqueurs. Loyauté, en plus. T'as landé, j'ai landé discrètement, je pose un terrain. Oui, j'ai landé. J'ai l'endé de Minecraft. Pour 0, je peux piocher une carte et perdre un PV. Le moins 3, je crée 2-1 menace et portée des araignées. Et le moins 8, je gagne un emblème qui dit chaque fois qu'un adversaire prend des dégâts de combat par une ou plus de créatures que je contrôle, si ce joueur perd moins que 8 PV, bah en fait il en perd 8. En gros, si j'attaque pour moins de 8 PV, vous prenez lui. C'est l'idée. Très bien. C'est l'idée. Donc du coup, là-dessus, je vais faire son moins 3. Ça me paraît évident quand même. Pour faire, je les dessinerai tout à l'heure, des petites araignées. Et on va mettre des petits dés. Parce que j'en ai deux. Cette flemme de faire deux dessins, quoi. Non, mais. Mais, hé. Hey, si tu veux, je pourrais faire un dessin et en mettre deux comme ça. Voilà. Je vais passer en phase d'attaque. Et je vais envoyer mon Rider chez Afi. Mais pourquoi... Il faut qu'il mette des dégâts de combat. Ah. Bah, écoute, je prends 4. Ouais. Et du coup, j'en ai une troisième. J'ai expliqué comment elle gagne des emblèmes, Dolt ou pas? J'sais oui, quand une créature meurt. Quand une créature meurt, ouais. Chez toi. Des fois que je l'avais oublié. C'est quand une de tes créatures meurt chez toi? C'est une des siennes. Oui, chez moi, chez moi. Ok. C'est fort. Ça va, ça va. Il y avait au moins un Planeswalker à araignée, je me dis bon, écoute. Ah, c'est vrai que c'est... J'aime bien les Planeswalker. C'est vrai que moi, il n'y a pas de Planeswalker vampire, quoi. C'est dommage. C'est alors, moi, il y avait des Planeswalker qui mettaient des nightmares et des horreurs, mais on m'a dit de les enlever je parce pioche. Que c'était trop fort et que ça m'incitait à voler des cartes chez les adversaires. Moi, du coup, je fais une fin de tour. Hein. Ah, une fin de tour, du coup, ce soir... Bah, il me défonce ton ta carte. Hein. Ah ouais. Bah, ouais. Je lance, du coup, ce soir, le hashtag Free Ashiok. Tu ferais Ashiok si tu fais no one. Tout le monde sacrifie une créature non vampire. J'en ai pas. Hop, une araignée de moi. Je vais pour 4 jouer ancienne le craving. Je vais piocher 3, perdre 3. Qu'est-ce que je fais Et piocher. Je vais pas me fouler pour l'araignée. Quoi Je vais lander. Ah, c'est menaçant. Hein. Tu peux mettre un planteur sur l'autre, du coup. Phase d'attaque vers le Planeswalker araignée à 5. À 5 oui. Attends, je vais bloquer avec une araignée. Non, okay. Si je crois que c'est une 4-3, si tu bloques avec les deux, il meurt. Non, c'est une... Ah oui, c'est une 5, c'est une 5-4, si tu bloques avec les deux. Ah, c'est 5-4 pour un one meurt. Ouais, mais est-ce que j'ai envie de vous aider? Oui. Bah là tu débloques la game quoi. Là en gros, nous on est juste en mode bah on fait rien ou on fait des trucs des pas de play. Ouais mais les gens ils veulent jouer aussi, c'est des trucs avec les deux. On peut être tranquille, écoute, tu nous aides. Voilà. On se laisse tranquille. Ça, voilà. je veux entendre. Je ne suis on me laisse tranquille. En tout cas, moi je te laisse tranquille. Moi j'ai rien dit. Parce qu'en fait en soi j'ai aucun intérêt à le faire pour le. J'adore, il y en a un qui fait. Non mais tu seras plus. On te laissera tranquille et l'autre, moi j'ai rien dit. Moi là, tes araignées, je les déglingue. Moi je les engage.
puis voilà. Alors, après, j'ai plus de bêtes, hein, donc il y a un tour d'avance. Non, parce que du sang sur la neige. 4. Ouais, parce que c'est du sang sur la neige, ça ramène. Si tu joues 5 terrains neigeux, ça ramène. Excusez-moi, j'ai oublié de piocher une carte en plus. Ah, de petit trigger. Hop. Je suis pas voilà. Donc pour 5, je vais jouer du coup Kindred Discovery. Je vais choisir forcément Horreur. Donc c'est à chaque là où Elfie a gagné. À chaque fois qu'une horreur est sur le champ de bataille ou attaque, je pioche une carte. What? Et pour 2, j'ai joué un Yarok Fenluker. Chaque adversaire exile une carte de sa main. Ah, de la main. Oh, c'est vraiment parce que j'ai vraiment trop de terrain maintenant. Je vais exiler. Ouais, je vais exiler. Regarde, charmant. Bon, bah, et mes vampires. Pioche une carte. Mes vampires n'infligeront pas de dégâts quand ils arrivent sur le champ de bataille. Tant pis. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ah, c'est triste. Et c'est une fin de tour, parce que j'ai... je suis full tap. Je lande. Si jamais t'en trigger. Non, bah non, j'en ai 7. C'est vrai. 1, 2... Si tu rampes, après 3, c'est bon. Mais j'ai enlevé mon terrain, donc ça va être compliqué. Pour ça, je vais jouer une petite recluse qui me fait investigate si j'ai une créature qui est morte sur ton site. Ça va pas être le cas. Tu pouvais essayer d'empaler. Mais je vais aller mon scry. Est-ce que j'ai envie de l'empaler alors qu'elle me fait des, quand même des tokens de 1 hein. Je suis pas sûr. C'est pas très friendly ce qui est dit ici. Hein. Oh. J'aime pas trop. Ah bon. Oh, c'est parce que Alfie a dit qu'il laissait métal en paix. Du favoritisme quoi. Ah bah, ouais. C'était nouveau. Regarde, je l'ai laissé en paix, je lui ai exilé une carte de sa main, c'est être en paix. C'est quoi la créature que t'as, Orc? Mark of Baron, une 2-2 qui donne plus un plus 2-2 lien de vie qui donne plus un à tous mes vampires. Ok. Je vais faire le. Faire le moins 1. De l'ult. On va recréer nos araignées. Bah, c'est moins 3. Hein. Moins 3, oui. Là, j'étais à 4. Ouais, tu je dis tu quoi vas, je dis moins 1 Ouais, t'as dit moins 1. Oui. Ah, mais c'est pour ça que j'étais en mode. Elle a pas de moins 1 de toute façon, donc pour le coup. Oui, non, mais j'étais en mode, mais il est triche oui. Là ou quoi Je vais passer en phase d'attaque et je vais envoyer le Drider chez Arc. Je vois de la haine dans ce que tu dis. Je prends combien? Ben non, je partage mes araignées, ça fait 4. C'est pris. Et je fais une autre araignée de 1. J'ai plus beaucoup qu'elles ont de points la portée. Déjà, moi. Et la menace. Fin de tour. J'étais en train de me dire, je ne vais pas ressusciter Wong, mais... enfin... à un moment... Bon, en vrai... Va falloir le faire aussi, parce que sinon... Du coup, moi, je vais faire pour 4... Bien, alors, on demande dans le chat si tu as testé Shelob dans ton deck araignée. Alors, Shelob, j'ai hésité à la mettre en commandant. D'ailleurs, finalement, je l'ai mis dans le deck. Si vous voulez regarder la decklist, elle est dans le deck. Disons qu'en fait, comme on joue un peu en niveau un peu plus bas, j'ai toujours peur que les parties, des fois, durent trop longtemps. Et en fait, l'avantage de celui-là, c'est que il y a la capacité qui permet de réduire les PV d'un adversaire fortement. Donc, si la game dure trop longtemps, au moins, il y a un moyen d'avancer. Quoi. Non, c'est Target. Ouais. Surtout si on commence à stall les boards, je vois le genre de situation. Puis, chez Lob, le problème, c'est que... Chez Lob, c'est bien. C'est des tapis, c'est des foods et tout ça. Hop là. C'est plein de trucs. Chez Lob, c'est bien. Oh, c'est bien aussi. Ouais. Je vais être obligé de me défendre à un moment. Parce que là, je vais me faire éclater la tronche. Moi, j'ai rien. Je vais le jouer celui-là si je le joue comme ça. Ouais, je vais plutôt le jouer comme ça. Ah non. Il vient de manquer un de mana. Ah, dur. Bon, allez. J'ai pas le choix pour me défendre.
Je vais jouer Nécromancien de la lignée, une 2-3 lien de vie. Quand il arrive, je ressuscite un vampire ou un sorcier. Pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais faire dès le début? Le retour. Et c'est Alfie, t'as quoi? C'est une combien c'est que une t'as 1-1. C'est un 1-1. Je peux te booster pour 3. Ah, et bah, tu sais quoi? Je vais te taper à 2. Des fois que tu veux la booster, bien sûr. Hein. Ouais, des fois que tu veux la booster, tu vois. Bon, deux, bien dit. Deux, vas-y, gagne tes deux. Oui! C'est vraiment juste. Là, je suis en train de. Comment on dit? Ah, fin de tour. Sucer ton sang. En tout bien, tout honneur. Hein. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Bah ouais, écoute, je vais me défendre aussi un petit peu, je vais toucher, et voilà. Dans le respect du consentement d'Alfie, bien sûr. Oui, c'est ça. Hop. Toujours. Et pour 2, 3, 4, 5, et 6, hop, j'ai oublié de toucher une de plus et de perdre la perte, désolé. Hop. Judge. À chaque fois, j'oublie. Oui, bah écoute, c'est obligatoire. Hop, voilà. Pour 6, du coup, j'ai joué un tir de la stagnation qui est un Eldrazi. Voilà. Qui a le Devoid, et quand un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, il va exiler les deux cartes de dessus de sa bibliothèque et je vais piocher deux cartes. Yep. Et c'est une 5-7. C'est pas une horreur. Arbitre. Pas dans le thème. Mais... Et je vais dire une fin de tour. Je vais pas attaquer. Voilà. Je reste là. Pioche. Ah, bah quand on parlait du loup. Encore je vais faire le... Visiblement, le deck aime bien parler de sentir ce qu'on parle. Alors, 0, je pioche une carte et je perds 1. Hop, pioche, et je perds 1. Enfin, je ferai le raid, là, le truc qui donne. Ward 2 à tous ces machins. Chez Love, l'enfant est-ce que de tu as landé ce tour-ci, Metal? Non, j'ai pas landé. Ah zut. j'ai pas landé. Shelob, du coup, c'est une 8-8 contact mortel Ward 2. Contact mortel est très important quand t'as une 8-8, hein, bien sûr. Mes autres araignées ont le contact mortel et la parade 2. Et chaque fois qu'une autre créature que je contrôle met des dégâts ce tour-ci. Attends. Non, il y a une spider, il y a l'histoire de spider. Chaque fois qu'une autre créature met des dégâts à une araignée que je contrôle et qui meurt, donc c'est l'autre créature qui doit mourir, je suis très fort en anglais bien sûr, je crée un token qui est une copie de cette créature, excepté que c'est un token food. Bon, j'ai mes tokens, comme ça au cas où, hein, bien sûr. Les copies de food. En vrai. Donc, en gros, j'ai une créature qui est une food. Ta capa est incroyable. Ah, et par contre, c'est plus une créature. Oui, allez, donc par exemple, je tue une Elesh Norn. Ça devient de food et ouais. Vous pouvez plus faire d'anti-bet dessus. Ouais, et du coup, t'as quand même la capa de l'Eshki. Et j'ai quand même la capa d'Eshki. Ah ouais! La carte est sympa. Ouais. Mais c'est capacité activée ou des. C'est en fait, il perd juste ses types. Il perd toutes ses types. D'accord. Tous les autres types que artefacts et. Ok, ouais. Et comme c'est une food, voilà, elle a pas de force. C'est ça, vraiment. Ouais. Vous voulez pas parler d'autres cartes? Par pur hasard. Non, pas fin de tour, j'ai pas attaqué. Ah, y'a pas d'attaque. Allez, donc là, ah oui, c'est vrai que j'avais... Je vais mettre... C'est bon, j'ai assez pris, s'il te plaît. Je vais mettre... T'as remis 3... à Noan. Rien à foutre. Les 3-2-1 chez Alfie, et le reste chez toi. Écoute, il y en a une, c'est des 2-1. Hein. T'es deux, hein, ouais. Bah écoute, il y en a une qui va être, une qui va être bloquée par Yarok, une 1-1, ouais. Du coup il y en a une qui va mourir quand même. Et ouais. Je vais prendre 4. C'est Tom qui veut augmenter le compteur. Et du coup j'ai une 4-3 et une 3-5 pour toi. Une 4-3 et une 3-5. Contact mortel. Quand ils meurent, est-ce qu'ils sont exilés? Par quoi? Par l'araignée que tu viens de poser là. Non. Tu crées une copie, c'est tout. Non, c'est juste une copie, ouais. Ok. Je vole pas la carte. Donc, rappelle-moi, t'as attends, une. Attends, du 4... coup, mon Yorok, il est exilé, c'est ça si je veux... Non, il va au cimetière, mais c'est juste une copie qui va arriver en jeu. Ah oui, et donc, d'accord. Et s'il meurt, par contre, du coup, on va devoir tous exiler une carte de la main, c'est ça? Ouais.
Ouais, en fait, ça va revenir. Sur bataille, mais on fait d'abord les bloqueurs, tout ça. Et ouais, non, mais ça permet de savoir si je peux couper avec. En fait, non, je vais pas bloquer, je vais prendre deux de plus, ouais. Désolé. Okay, parce que j'ai le trigger d'Adno One quand même qui me fait peur, j'ai pas envie de. Parce qu'en fait, si tu bloques, effectivement, elle meurt, du coup, j'ai un OTB. Ouais, non, non, j'ai perdu deux de plus et t'as toujours ta. Pas de soucis, pas de soucis. Et t'as madame, elle a. T'avais pas l'info. Ouais. Ta madame, elle a un compteur de moins d'été. Alors, du coup, les bloqueurs. Alors, je vais bloquer la plus grosse avec Anno Young. Et on est d'accord, t'es obligé de faire la copie. Hein. Oui. Ok. Bah, je vais les bloquer les deux avec une 5-4 et une 4-3 lien de vie. Ok. 5-4 et 4-3. Normalement, je peux tuer les deux. Normalement. Ouais, faut que tu les bloques bien, mais je pense que je considère que t'as bien bloqué. Tu tues les deux. Ok. Je te conseille de bouffer très vite ta food qui te dit que tout le monde sacrifie J'ai un amont et l'autre il fait quoi? Nécromancien de la lignée, quand c'est une 3-2 lien de vie, quand il arrive, tu ressuscites un sorcier ou un vampire. Non, j'ai un elfe, mais j'ai pas de. Je n'ai pas pris de risque, hein, je veux dire. Ok. Du coup, c'est surtout un neuron qui a une capacité statique. Et l'autre, en vrai, ça va être une foudre. Ouais, on a gagné un tour et demi. Ouais, vous avez eu un neuron. Est-ce que je vais faire quelque chose d'autre? J'ai pas eu de trigger. Alfie a pris 6 normalement. Ouais. Du coup, ta madame n'a pas pris de marqueur. Et ça, j'ai pris 2 marqueurs parce qu'il y a quand même 2 créatures chez moi qui sont mortes. Ouais. Elle est combien là ta copine là? 3. Ok. Et fin de tour. En fin de tour. Et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, je vais dire coup de. Je vais jouer un trap de trespasseurs. Trespassers. Du coup, on va tous secrètement voter pour une créature que je ne contrôle pas. Ouais. Et on va les révéler les votes. Et chaque créature avec des votes, je vais mettre autant de stun counter. Et je vais l'engager. Oh. D'accord. C'est sympa. Voilà. Du coup, je sais pas comment on fait. Bah, en gros, c'est simple. On va chacun dire une. Soit on a un bout de pied. Soit on prend un bout de papier. Un bout de papier. Attends. Si on veut la faire vraie. Sinon. Bah, on dit qu'on est des adultes responsables, qu'on ne va pas tricher, qu'on pense à une créature, okay. Et chacun va le dire à la suite. Ça marche. Moi, je prends un bout de papier. Hein. Oh là... Est-ce que j'ai un bout de papier? Non. C'est moi qui commence en plus, donc moi je m'en fiche du bout de papier. Moi je m'en fiche. Je suppose, hein, les votes, c'est moi qui commence. Hein. Ouais. Ouais, c'était. Ouais. Start with you. Moi c'est noté. Ok. Ok. Arc. Moi, ça va être ma créature, Markov. Ah non, attends, c'était savoir si t'avais choisi. Oui, moi j'ai choisi, oui, du coup. Ok, Alfie, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc là, on choisit pour engager, hein, c'est ça? Oui. Allez. Bah, de toute façon, c'est des stuns plus l'engager. Ok. Il y a tout en même temps. Donc, moi, je vais dire la 8-8. La grosse 8-8. Chez Lob? Chez Metal. Moi, chez je vais Lob, dire ma propre créature. D'accord, moi, je vais dire aussi chez Lob. Moi, je dirais le père de la stagnation. D'accord. Donc, Shilop prend 2 counter stun. Le Markov, il était déjà attaquant? Il était déjà engagé, ouais. Ok. Et le Sir, non. Donc, du coup, ça fait 2 marqueurs. J'ai une 5-5. Ici. Par contre, j'ai vraiment pas réussi à voir ta carte. Et ça s'appelle comment? La mienne? Ouais. Ouais, mais moi aussi, j'ai pas réussi à voir. C'est Trap the Tress. Et tu dois le trouver. C'est comment ça s'appelle, Lord of the Ring. Je prends mon tour. Du coup, je pioche. Je vais faire une forteresse glaciaire. Donc, tu exiles les 2 cartes de dessus de ta bibliothèque, je vais piocher 2. Quoi? Parce que j'ai pioché? Non, parce que t'as joué une forteresse glaciaire. Ta carte, elle fait ça quand tu joues un terrain, il se passe ça? C'est le sire de la stagnation. Quand un terrain arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire, ce joueur exile les 2 cartes de suite à la bibliothèque et je piège 2. Bah, t'as exilé un anti-bête, bravo! 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 Oh non! Le retour au pays qui aurait été. Oh la quiche! Qui aurait été génial contre le.
contre Shelob qui est engagé pendant deux tours. Écoute, j'ai super peur de ton truc qui est dans ton cimetière, donc je vais jouer Cemetery Illuminator. Oh non, sais ce que tu vas faire. Tu vas l'exiler. Oui. Je vais exiler à Noan. Je te déteste, mais si. Tu peux, mais en même temps, c'est toi qui as lissé ta carte. Hein, à un moment donné. je peux regarder du coup ma carte qui je est. Je me retiens de t'insulter, sache-le. Ah, bah, c'est gentil. Tu peux casser des créatures. Et je peux caster des créatures once each turn ce tour-ci. Quand il attaque, je peux refaire également sa capa, donc du coup, ça va me permettre de le faire plus souvent. C'est quoi tes trucs? C'est des araignées là, métal? Super, ça, c'est 3 jeu, de 1 portée menace, contact mortel, parade 2. Elle te masse les pieds le soir, mais que le merde du soir. Ouais, mais ça fait beaucoup quand même pour me masser les pieds. J'aurais pas aimé que des araignées me massent les pieds, donc. Mais j'avoue. Je vais. Tout foutre mes œufs dans le même panier. Quoi, moi, la pêche! Ouais. Bon. Non, du coup, 24 à 33, je suis désolé, Arc. Et pourquoi tu tapes pas métal? Il a aucun défenseur. Parce qu'il a des 2-1 des stats. Non, ils sont engagés. Ils sont engagés. Bah non, les deux trucs là devant, c'est quoi? C'est des food. Non, c'est des food. Ah, c'est des food. C'est des food, frérot. Mais fais-moi un vieux fruit pourri là sur ton truc, on voit rien. C'est parce que c'est des food créatures. Écris plus gros. Regarde, je peux mettre. Fais des canines. Je peux mettre des vampires, mais. Coup, c'est un peu différent. Emballé dans les cocons, voilà. Un peu dans du papier d'alu. Du coup, je vais faire. Est-ce que je fais face? Ouais, je fais face d'attaque. Face d'attaque, Roda sur ton arpenteur. Ouais. Ça met combien? Ça met 5. Salut mon pote. Ça met combien? Non mais t'inquiète, elle est à 1. Ouais, t'es à 3. Et t'es à 3? Ouais, tu m'as tué 2 créatures. Ouais. Et du coup pour 3... C'est une tribu qui commence à devenir vraiment chouette. Non mais vous êtes pas prêts pour l'arachnogenèse qui va arriver, hein, bien sûr. Je vais faire un bugle patter qui fait détaper toutes mes bêtes à la fin de mon tour, au début de chaque upkeep d'ailleurs, player, mais ça sert à rien. Vous voulez pas parler d'arachnogenèse qu'elle puisse venir du dessus du deck là? C'est bon. Hop là. Non, il va falloir que tu sortes une carte qui dit détruisez tous les artefacts. Je vais lander, du coup je vais me exiler 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, je vais piocher 2. Je vais exiler un anti-bête et... Ok. Au revoir. Alors, comment dire? C'est gênant. Gênant. Alors, comment je vais la jouer celle-là? Parce que c'est un peu tricky, quoi. On comprend. Tac. Hop là. Pour 2, je vais mettre Call the Bloodline. C'est un enchantement qui dit pour 1, je me défausse une carte, je crée une 1-1 vampire. Chevalier avec le lien de vie ne peut être activé qu'une fois par tour. Tu sais quoi? Non, tu te fous de moi, mais il y a de l'acharnement ici. Et tu perds 2 points de vie en plus. Oui, je sais, je connais ce sort, bordel. Je vais faire Sing in Blood. Ça aurait pu être une créature, j'aurais cru que c'était un contre. Je vais piocher 2, ouais. Perdre 2. J'arrive pas à l'avoir d'ailleurs. 2. C'est Call the Bloodline, c'est un enchantement pour 1 qui défausse. Non, je parlais du contre-sort. Ah bah il est là, toi, ouais. Je te le mets. Hop, il est juste à côté de Kindred. Et ben, je vais. Si Spectable le veut bien l'avoir. Je vais dire fin de tour. Ok. Ça n'arrive pas à l'avoir. C'est bon. Ah, c'est Counter Squall. Je vais dégager. Je enlève ce compteur là, je vais piocher et je vais piocher et je vais perdre un point de vie. Je vais. Au moins, je sais que dans 23 tours, il y a. Lander. Et je vais payer 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais jouer Toxtril. Je vais piocher une carte étant donné que c'est une horreur.
T'as, ouais. T'as combien de cartes en main pour qu'on rigole? J'en ai 8. Ouais, d'accord, très bien. On le regrette là, c'est cette carte d'exil là qui est partie. Métal, je vais t'attaquer avec une 1-1. Je pioche une carte. Attends, non, mais tant pis. Oui. J'allais dire si tu m'attaques, je sacrifie pas à Noron, mais trop tard. Je prends un. Oui, bien, bien. J'aime bien ta mentalité là. Non, mais t'inquiète pas, je vais avoir plein de slugs. Je m'en fous. Ouais, ouais. Du coup, je vais devoir je vais dire une fin de tour. Je vais me défausser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vais me défausser d'un marais. Je vais me défausser d'un Gravestorm. Et au début de chaque fin de tour, je vais mettre un slime counter sur toutes les créatures que je contrôle pas. Toutes les créatures avec un marqueur slime dessus gagnent moins 1, enfin, ils gagnent moins 1 pour chaque counter slime dessus. Et quand une créature que je contrôle pas meurt, je crée une 1-1 slug. Du coup, tu as 3 créatures qui meurent, métal, je crée 3 slugs. Oui. J'en ai une. Et moi, je crée un 4e slug. Allez, t'étape. Entretien, trigger d'anneau. T'as une deuxième. T'as une deuxième limace encore. Ah oui, on sacrifie. Pourquoi elle est morte? Ah oui, on tu l'as sacrifié sur une. J'ai sacrifié sur un anneau et elle a un marqueur slime dessus. Ouais. Bah, du coup, j'ai toujours 3 slugs quoi. Ouais. C'est chaud là. Ok, Chandorine. Voilà. Tu vas pas péter la foudre là pour nous aider? Je sais pas. Non, elle est bien cette foudre, elle est bien. Je peux le faire en éphémère, hein, ça dépend de ce que vous faites. Ouais. Je peux le faire en éphémère. Y'a combien de slime? J'en ai 3. Non, t'en as pas que 3. Vous pouvez me montrer vos terrains vite fait? Ah, 4, excuse-moi. Vos terrains 5. Non basiques? C'est le tour du commandement. Non, j'en ai fait 3 à mon tour, sauf qu'au tour de métal, j'ai dû m'en sacrifier 1, et métal a sacrifié une créature, et Ragen t'a sacrifié une créature, donc j'en ai 5. Bah moi j'en ai sacrifié 2 en tout. Ah, t'as sacrifié 2? Bah oui, j'avais une 2-1 vol. Donc, Ah oui, donc oui, ça fait 6. Ouais. D'accord. Vous pouvez montrer vos terrains non basiques, s'il vous plaît? Ils sont là. Là, 3, c'est tout, j'en ai 3. Et toi, t'as quoi, Alfie? J'ai un slipper de marche, un petit boule et une commande power. Ouais, bah il faut juste péter ta commande power. On va tous chercher un terrain. Chaque joueur cherche un basique. Ouais. En réponse, je vais quand même payer 2 et je vais activer la capacité de Toxtril. Je vais sacrifier un slug et je vais piocher une carte. Et ensuite, la commande power est morte et on va chercher tous un terrain, c'est ça? Dégager. Je vais mettre un petit dé là de. Quand même pour. C'est à chaque upkeep que tu y a un slime counter? Chaque fin de tour. Chaque fin de tour. Pour négocier, je vais dire fin de tour, ouais. Bon, ben là, du coup, il meurt. Je vais engager. Contre, on va pouvoir être gentil si vous voulez pas. Attends, vous voulez que je vais engager Toxtril. Et piocher une carte. D'accord. C'est vrai qu'on a mélangé. Du coup, ici il a 3. Après, Alfie, c'est juste que moi je juge que Toxtril est vraiment une carte très forte. Mais ah bah, écoute, dans ce cas-là, il faudrait. Moi, c'est personnel. Faut voir que. Pour oui, on verra plus tard, t'inquiète. Pour le dire, il faut le bannir du niveau 6, hein, c'est tout. Oh non, mais on a des gens qui regardent les listes. C'était validé, il n'y a pas de souci. Hein. Parce que moi, ce qui a été problématique dans ma liste, c'est les trucs qui permettaient de récupérer les cartes exilées et tout ça, quoi, mais c'est... En fait, pour t'expliquer, ce qui me pose problème, c'est pas la puissance en soi, mais c'est juste que ça... Quand on a des stratégies genre très créatures et tout, c'est juste ça ralentit la game de ouf. Mais après, il y a moyen qu'en fait, ça la raccourcisse un peu, donc en soi, ça... T'as 5 créatures, Alphie, c'est ça? T'as 5 slimes? Il a 6. Il a 6. T'as 6 slimes. Ouais. Ça peut-être pas la ralentir tant que ça. Je me suis peut-être trompé.
Non, je suis quand même galère parce que t'as une food assez casse-pied. J'ai dit juste si vous êtes gentil avec moi, je la... Qu'est-ce que je vais faire là? Attends, non, je fasse de quoi? Pour 3, je vais faire un. Ouais. Je vais faire un déluge, je vais engager toutes les créatures sans le vol. D'accord, on va juste les engager. Donc j'ai 5 marqueurs en plus. 6, pardon. Hop. Sans le vol, ton machin il est engagé aussi, hein. Il a pas le vol. Hein. Ah purée, il a pas le vol ce con. Donc ça il sert à rien. Non, j'avais oublié. C'est Timine qui a le vol. Hein. Ouais, je vais le jouer. Du coup. Et. Fin de tour. Mais lui il va mourir. Ah, dans 3 tours. Hein. Je vais lander comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais jouer mon commandant. Ouais. Est-ce que j'ai un truc pour 2? Effectivement, non. Je vais passer en phase d'attaque. Ouais. Ouais. Alfie, je vais te taper avec une 3-4 vol. Ouais. Figure. Je vais ressusciter une créature attaquante. Je vais ressusciter le nécromancien de la lignée. Qui va ressusciter Markov Baron. Qui lui, il est pas attaquant du coup. Du coup, tu prends combien? Tu prends 4, 8. Donc 4 avec le lien de vie. 6, 7, 8. Ok. Et bah, c'est déjà bien. Fin de tour. Comme tour, toutes les créatures que je contrôle pas prennent un marqueur. Oui, time. C'est bon, on a compris. Je préfère pire, rappeler les marqueurs. Écoute, je suis désolé, je sais que c'est chiant. Je crois que c'est pire avec Toxril, c'est le même principe heuristique, tu vois. Le noter, ouais. Le dire pour que les gens. T'as combien de terrain, Alfie? Non, t'en as moins de 10, t'en as 9. Non, rien. Surtout que j'ai 2 trucs. Donc. Ah oui, c'est pas terrain. Je pioche, je perds un point de vie. Et ça va vite, hein, je suis à 14. Hein. Je pioche. Je vais lander. Bientôt le gars il va se plaindre. Hein. Ouais, c'est pas. Non, mais je plains pas, je dis que je suis à 14 points de vie, c'est-à-dire que je suis largement tuable. Et le rouge suis... Ouais, t'inquiète. Ma foot va te tuer. C'est à fait prêt. Non, je te taquine, t'inquiète. Dragon? Ouais. Prochain tour, je vais peut-être faire un truc bien pour toi. Ah bah écoute, si j'arrête de piocher les terrains, tout sera bien. Forcément, c'est plus de focus, Alfie. Ouais, j'espère que vous n'avez pas joué des terrains avec mon machin. De quoi? On n'a pas joué de terrain, on a été chercher les terrains sur la machin. Non, c'est play. C'est quand il y a un raid sur champ de bataille. C'est quand il arrive sur champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire. On a oublié ça. Ah bah oui, on a oublié, tu l'as pas dit. Bah voilà, je fais bien de rappeler les triggers quand même. Je vais les idées 2. Et je pioche du coup 2, 4, 6 normalement. Allez, 2 un terrain, un caillou. 8, j'ai landé moi. Ah bah super, ma meilleure carte vient de partir en exil, j'adore. 6, 2, 8. Super. J'étais en mode, j'ai un plan, non? J'ai un plan, et bah non. Et bah non. Il va se tuer au point de vie, ce con là. Ouais, à la meule aussi. Et le mec qui est là, regardez mon deck meule. Ouais, Yel, t'as aussi l'endé ou pas? Ouais, si, oh putain. Rien de bien, ok, super. C'était un terrain et un truc qui colle 2. Ok. On est un peu au pointy près là, j'ai envie de te dire, Arc. Okay. Oui. Non mais, moi ça me gonfle d'exiler mes créatures, hein? Vous jouez pas réanimateur, hein? T'es trop réanimé. Excuse-moi, monsieur. Excusez-moi. Ça aurait rien servi, mais en plus, ça aurait complètement desservi. On serait pris des slimes dans tous les sens. Alors, on s'en prend déjà des slimes dans tous les sens. J'ai un play, mais ça va bien. Ça va vous faire chier, je suis désolé. Hein. D'avras. Alors, je crois que t'as déjà commencé, hein, mais t'inquiète, Asli. Non, mais. C'est pas ça vrai, hein. Là, vous allez être encore pire, parce que là, pour 4, je joue un Spark Bubble qui va copier un Toxel. Ok. Non, mais moi, y'a pas de soucis, hein. Une fois que t'as commencé, genre, jusqu'au bout. Non, y'a pas de soucis.
tu vas mourir T2. Si tu ne... La prochaine fois, tu vas mourir T2. Je vais attaquer quand même. Je vais avoir un Troxril qui va attaquer Metal. Je vais avoir un Yarrock qui va taper Arc-en-Ciel. Oh, Yel. Et je vais avoir mon Sire de Stagnation qui va taper Regan. Je prends 4. Non. 5. Non, je vais Fog. Je préviens tous les combats de dégâts. Bien joué, champion. Qui doit champion, mettre merci. Des créatures, sauf une créature ciblée, je vais cibler ton un slime 1-1 qui attaque pas. Bien joué ça. Ah non, j'ai besoin de vous. Ah mais on est là, hein, si on lit mieux les cartes. Et ben en vrai, du coup, je vais faire un undermine du coup. Contrer et tu perds pas. C'est contré ? Ouais, contré. Ça marche. Ah, du coup, tu m'attaques avec quoi ? J'attaquais Metal avec une 7-7, je t'ai attaqué avec une 1-1, et j'attaque du coup Regan avec une 5-7. Bah, je vais bloquer la 1-1 du coup. Avec une ouais, 1-1. Mais en fait, c'est juste que du coup, vu que j'ai deux horreurs qui attaquent, je vous pioche deux. Voilà. Du coup, ta 1-1 est morte aussi. Hein. La 1-1 est morte. T'as perdu un point de vie au début de ton tour ? Oui, j'ai perdu un point de vie, j'étais à 15, je suis passé à 14. Ok. Du coup, t'as une créature qui meurt, je vais faire un slug. Je suis à 7 slugs, de toute façon, j'aurais pu attaquer avec mes slugs. Non, j'en ai fait 2, excusez-moi, 8. Vous avez pas un rasboard ? Je mets 1. Alors... J'ai plus. Si, je crois que j'en ai. Moi, j'ai un rasboard, mais qui met que moins 3, moins 3. 1, 2, 3, 4, 5. 10 et 7. Voilà, alors je me défausse d'un swamp, d'un Titan Island, d'un swamp, d'une île, d'un Emilis de la Raison, d'un Night Whisperer, d'un Delix, d'un Signature de Sang et d'un Lacatus Champion. Ouais, je sacrifie deux foudres. Vous savez plus d'anneaux. J'ai une 6 PV quand même. Toutes les créatures prennent deux marqueurs maintenant. Est-ce que c'est bien que tu sacs ton food en fait finalement ? Bah oui, parce que lui il va sacrifier des limaces. Ouais. Ouais, mais à un moment donné nous on pose plus de trucs quoi, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Bah dans tous les cas vous posez pas de trucs et moi je gagne 3 PV dans l'affaire. Donc, Ok. Ça marche. C'est pas ces limaces qui vont changer. Fin de tour d'Alphi, on est au fin de tour d'Alphi là. Ouais. Ouais, bah t'as gagné une. T'as gagné un... encore un. Hop, je suis à 12, c'est bien. Ok. Et je vais payer 2 pour faire un P de l'assassin sur Toxreal Original. Champion ! Ouais, plus qu'un. Et du coup, je vais. Tu vas chercher un terrain basique et tu le mets sur champ de bataille normalement. J'ai cherché une île. Ouais, c'est une bonne idée ça. Je vais pour 5. Une araignée change là. Mais bon, il y a une araignée sur l'art, donc ça compte. C'est 3-5 portée, et quand tu arrives sur le champ de bataille, si j'ai 3 cartes ou plus de créatures dans mon cimetière, ce qui est le cas, hein. 1, 2, 3, 4, ouais, c'est le cas. Je gagne 5 PV. J'ai un scry avant. Ok, je vais laisser au-dessus. Et je gagne du coup 5 PV. Hop. 20 tours. Vas-y, t'en fermes le tour. Tapolandie. 7. J'ai rendu du slime, hein. Donc, non, j'ai pas landé. D'accord, et du coup, ton. Attends. Je sais plus, mais je crois pas. Au début du tour de Ryan, moi, mon commandant est mort. Donc tu peux, non, je crois pas. Non, j'ai pas landé.
Donc là, c'est plus qu'un seul marqueur que vous mettez. Ouais, ouais. Je pioche. Moi, j'ai une combien là? J'ai une 5-5. Ok. Pas de masse. D'ailleurs, qu'est-ce qui se passe si tu n'as plus... s'il n'y a plus de. La il n'y a plus là. De Toxtril. En fait, ils ont toujours les marqueurs, mais ils n'ont pas de -1/-1 en fait. Oh ouais. Et faut ils ont toujours les marqueurs, quoi, c'est tout. Faut le trouver, quoi. Le team 1, il est en command zone, excusez-moi. N'oublie pas que t'as un marqueur plus 1 plus 1 sur ton spark de ballon. Oui. Ouais. Parce que bon, c'est 8-8, ça compte quand même, quoi. Oui. 7, je vais le rejouer team 1. Et je vais rentrer en phase d'attaque, je vais engager ton Toxtril. Donc Toxtril tout bleu, ça va donner un compteur en plus chez moi ici. T'as landé ou pas? Non, je lande plus. Et je te bourre à la 6-6 si je te dis pas de bêtises. Bah, je bloque avec 6 log. Ouais. Ok, avec 6 log le coquin. 12, 13, ça fait 5, ça fait 7. Non, c'est plus que 7. Ouais. Là, en command zone et tu gagnes un slug du coup. Ouais. Fin de tour. Je prends un truc. D'étape. Allez. Doro. Ah merde. Avec Toxtril, si c'était -2/-2, ouais. Moi j'avais une. j'avais une grosse. Regarde, peut-être qu'elle était morte avant en fait, parce que j'ai que deux autres Toxtril, ça faisait -2/-2 par chaque compteur qu'elle avait. Hein. Ah Et elle avait. Ah, ça se cumulait cette merde. Ouais, elle avait. Quand elle l'a tué, elle avait 5 compteurs dessus, je crois. C'était autour de métal. Ouais, sauf qu'elle était 13. Elle était... Okay. Ah non, elle était 9. Bon, tant ouais. pis. Tant pis, écoute, maintenant tant c'est pis. Fait. T'es déjà suffisamment devant. Oui, non, mais... Ouais, j'accepte tout. T'as quoi dans, comme créature dans ton cimetière? Des trucs qui meurent sur du slime. J'ai une 8-8 si tu veux. J'ai une 1-1 vol, une 2-1 qui va détaper toutes tes bêtes à chaque autre entretien, une 2-3 vol qui va exiler des cartes du cimetière, et c'est tout. J'ai 3 bêtes. En fait, est-ce que vous avez une bête qui peut gérer son slime dans vos cimetières? J'ai une bête qui peut gérer le slime. Je peux gérer Toxtril dans le cimetière. Moi non. Ah, je réfléchis parce que en fait, je peux vous faire ressusciter une créature. Avec deux Toxtril, c'était horrible. Et du coup, je me demande. Est-ce que je le joue comme ça? Est-ce que je le joue maintenant ou est-ce que je le joue après? Ouais, mais moi je peux ressusciter aussi. Non, 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 toi chut, oublie. Tu n'existes pas, d'accord? Tu n'existes pas, ok, d'accord. Alors attends, j'ai 2, 3, 4, je peux avoir 4. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Ça, je serais à 6. J'ai envie de le tenter comme ça, mais ça va être... Oh, ça va être bouilli, 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 hein. Je vais pour 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jouer un vampire Nirkana Revenant qui dit que quand j'engage un marais pour du mana, il en produit 2. Ouais. Je vais... Je vais le contre-carrer, tu vas te meuler de 6. Non mais attends, mais t'as... Ah bah il a pioché un milliard là. Et bon bah... faut remercier Metal qui a tué le Toxtril parce que j'avais 3 mana et ça coûte 4 mana, voilà. 4, 5, 6... Et bah nickel, je peux sauver la situation pour Japon. On espère. Bah fin de tour. Bah écoutez, je vais dégager tout ça, hop hop hop, je vais piocher et je repioche et du coup je perds un point. Pour les autres, hein, touchez pas à mon cimetière. Bouge le cabog. Non mais c'est bon, tout le monde a de l'exil et tout, c'est sûr. Ah bah non, moi j'ai pas que d'exil, j'en ai qu'une. Ouais, en fin de tour, vos deux créatures ont pris un marqueur aussi.
mais voilà. Je vais lander qui arrive à taper parce que je ne peux pas révéler de carte malheureusement. Ah, j'ai pas. Merde. Je vais payer 2. Je vais jouer un talisman de dominance. Et payer un incolore, un bleu, un noir. Je vais jouer. Hello Momori TV. Runo Strong. Merci pour le raid. Qui un 4 vol et quand il a sur en bataille, je retourne jusqu'à une créature carte de mon cimetière au-dessus de ma bibliothèque. Je vais ramener Toxrail au-dessus de ma bibliothèque. Ça se combien de mana? Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et au début de mon entretien, je vais révéler la carte du dessus de ma bibliothèque. Je peux révéler cette carte. Et si c'est une carte de créature avec une mana 6 ou plus, je le transforme. Voilà. Ça marche. Il me reste 7 mana. Ouais. Pour 2, je vais jouer un Charcoal Diamond. Et pour 5, et peut-être que ça va être contrecarré, du coup, une aberration consommante. Et il n'y a que toi qui joues des contre sur, je crois. Oh, Regan a du bleu. Il a l'air d'avoir beaucoup de contre-sorts là. C'est quoi que t'as joué? Une aberration courante, c'est une étoile-étoile. Étoile égale au nombre de cartes dans le cimetière de tous mes adversaires. Et quand un joueur. Quand je casse un spell, excusez-moi, chaque adversaire révèle la carte du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce qu'il révèle une carte de terrain. Ouais, c'est trop casse-couille, je te le contre. Voilà. Ah, il en a un. Oui, j'en ai un. C'est lequel? C'est celui qui dit tu contres un spell à moins que son contrôleur paye 3 et ça coûte un de moins si t'as du spirit et un de moins si t'as un enchantement. Déterminus, je t'attaque avec Arcangiel. Ouais, mais je vais le piocher du coup mon truc et je vais pas révéler. Ah. Bah écoute, toi ouais, je vais juste attaquer avec mon Sire of Sanation du coup sur toi. Parce que c'est un Eldrazi. En combien 5. Et j'attaque métal aussi avec des slugs. Et je t'attaque avec 5 slugs métal. Ouais, j'en bloque un. Et je vais faire un deuxième token et ça va être une fin de tour. En fin de tour, toutes les créatures gagnent un marqueur. Et du coup, elle meurt parce qu'elle a pris un dégât. Donc, du coup, j'en recrée un. Ah putain, Elir, c'est fort. À Edge Combat, je peux engager des bêtes. Putain, je crois que c'était juste au mien. Elir, c'est fort, oui. Tu peux y aller, c'est bon. Ouais, je t'ai attaqué avec 5. Ça t'a fait. Donc, je vais diviser par 2, ouais. Et je vais faire. Tiens. Je suis désolé, chat, j'avais pas fait gaffe. Quand t'as dit qu'elle s'est fait, je vais chercher mon chemin là. Je vais choisir créature, je révèle 4 cartes dessus de ma bibliothèque. Et je mets toutes les créatures dans ma main et reste au cimetière. On sait jamais. Raté. Il y en a une au moins. Raté. Il y en a deux. Ça au cimetière. On a. Venir coup de spider, quand elle attaque, une créature légendaire gagne un contact mental, et l'autre c'est. Rich qui a un contact mental, et je mets un marqueur plus en plus 1 sur elle. Hein. Okay. Tu me dis quand tu rentres en phase d'attaque que je fasse quelque chose? Oui, okay. Je rentre en phase d'attaque. Je vais engager Toxrill. Ok. Voilà. Merci. Je vais faire un Mirko Spider, mais juste pour voir un scry. Ouais. Non, ça lance tout. Et pour 5. Ouais, tant pis, hein, j'ai joué mon commandant.
Bah, de toute façon, tu tues l'autre snake. Mon commandant, qui du coup, il y a 4 types de créatures dans mon... enfin, 4 types de cartes dans mon cimetière. J'ai au moins un rituel, terrain, créature, éphémère et contre cœur. C'est bon. On a 4. Du coup, je vais faire 3, 1, 2. Et fin de tour. Ça meurt. Tout le monde. Tu fais 2 slimes, je pense. Ouais. Du coup, je pioche. Je vais remettre encore mon général command zone. Et je vais dire fin de tour. Ah, bon, bah, c'est un rêve, je le dessine. Fin de tour, du coup. Ok. Ouais. Donc, j'en ai 3 de plus, c'est ça. Bon. Alors, Ryan, ouais, 3, 1, 2, ouais. Si tu ne ressuscites, je peux faire quelque chose, mais ne ressuscite pas la créature qui exile quelque chose dans le cimetière, s'il te plaît. Je te demande juste ça. Ok. Parce que je peux enlever un truc chez Alfie, hein, mais. Ouais, mais. Non. Ok. Pour bah, si tu veux, 4, ouais. Je vais tenter de faire incarnation technique avec la démonstration, du coup. Ça dit, meulez 5 cartes et retournez une créature depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Donc, je vais te proposer, Ragan, de te meuler de 5 cartes et de ressusciter une créature. Et du et coup, ben, moi, non, comme ça, je le fais 2 fois. Ok. Ah bah, si tu veux faire la première, tu fais la première, je fais une, tu fais deux. Tu, ouais, je fais la première. Il y a un ordre, normalement, mais... Ouais. Bah, c'est quand tu casses le spell, tu le copies. Donc, c'est l'adversaire qui commence. Ok. Vas-y. Alors, jamais, hein. Ouais, bah il y a un truc, mais ça va pas suffire. Nibilis de gel, donc ça va taper. Heal, plaine, terrain, temps. C'est 5. C'est 5. Voilà, 5. Ouais, bah super, bah, je sais que j'ai un terrain. Je vais ramener le Nibilis. Qu'est-ce qu'il fait? Il a vol prouesse, et à chaque fois que je lance un sort d'éphémère ou de rituel, j'engage une créature ciblée et elle se détape pas. Ok, donc moi je vais faire la copie. Je vais avoir une Expand Windfall, donc un truc pour pioche des fausses. Persist. Oh non, c'est court. Land. Vampire socialiste. C'est pas une blague. Et Wanety Undying Partisant. Donc c'est une créature légendaire de 2 célérité. Quand une autre créature qu'un adversaire contrôle meurt, je lui mets un marqueur +1/+1. Et je peux sacrifier une autre créature pour lui donner pour lui donner indestructible. Donc là, l'original. Je vais ressusciter mon commandant. La copie maintenant. Je vais me mêler de 5 en Corse. Terrain. Big Score pour pioche des fausses. Read of the Boons pour pioche. Et Deadling Dispute, une sorte de read du village. Bon, tant pis. Je vais ressusciter. Une nécromancien de la lignée. Qui va ressusciter le vampire socialiste, évidemment. Nous aimons les socialistes. Oui. Est-ce que je ressuscite... Attends, je suis en train de faire de la merde. Non. Je vais ressusciter Markov Baron. Le Baron, toujours. Toujours. Ensuite, il me reste combien de terrain pour que je rigole? 1, 2, 3, 4. Je peux rigoler. Alors. Qu'est-ce que j'ai encore dans le cimetière? Parce que je peux encore ressusciter pas mal de trucs. J'ai ça. J'ai surtout ça. Et ça. Ok, ça va être intéressant. Pour 3, je vais tenter un Victimize en ciblant mon... je vais cibler mon nécromancien de la lignée. Donc... Je vais ressusciter 2 créatures qui va être. Ah là 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 là. Non, pas lui. Nikata. Si ça te rassure, avec Victimize, tu cibles que les créatures dans le cimetière. Oui, ah oui, je choose sacrifier. Oui, ok, non, oui, t'as raison. Dans le sens où, genre, si on te la pète en réponse, ça fisole pas ton sort. Genre, juste, ouais. tu peux sacrifier une autre créature. Et je vais mettre Yaneti Undyne. Comme ça, c'est par pas exilé. T'es au moins une créature à la fin, quoi. Il est sacrifié. Je sais pas du coup si je mets un marqueur sur Yaneti. Je sais pas dans quel ordre ça se fait. Parce que du coup,
Il y en est-il les deux arrivent en même temps. Ah ben non. Non, j'ai dit de la ça, c'est ça arrive assez vite en même temps. Par contre, elles arrivent engagées. Ouais, ils arrivent, t'as raison. Les deux arrivent engagées. Je sais pas s'ils ont la célérité, mais. Si, il y avait un qui avait la célérité. Alors là, la question c'est est-ce que je peux techniquement tuer Alfie ? Est-ce que je le fais parce que c'est quand même vraiment pas. Si, c'est franchement, oui. Tu le fasses pour toi, genre. C'est... Ouais, bah. Tu gagneras pas si tu tues pas Alfie, je pense. Phase d'attaque sur Alfie, je vais ressusciter Patron of the Vilm. C'est une 4-4 vol qui, quand il arrive, va détruire une créature ciblée. Ouais. Et quand une créature que je détruis. Excusez-moi. Quand une créature qu'un adversaire contrôle est détruite, je l'exile. Et je mets un marqueur +1/+1 sur tous les vampires que je contrôle. D'accord. Donc je vais détruire ton Spark là, ton truc Spark, ta copie. La Spark Devil, d'accord. Ouais. Du coup, j'ai un marqueur +1/+1 sur tous mes vampires. Donc elle est exilée, c'est ça ? Ouais. Et il est exilé. Du coup, je mettrai les marqueurs après. Là, tu prends 3, 4, 5, 9. Non, 3, 4, 5, oui, 9, 10, 11. Alors attends. Tu prends une 5-6 vol et une 5-6 une 5-6 vol et une 6-6 vol, voilà. Je vais bloquer la 6-6. T'as un vol ? Ouais, ok, j'avais pas vu. Tant pis. Je voulais le retourner, mais bon, écoute. Est-ce que c'est ça ? Du coup, elle est morte, je mets un marqueur +1/+1 sur toutes mes vampires. Et moi, je perds 5, c'est ça ? Tu perds 5, c'est ça. Hop là, hop là, hop là. Et à la fin de tour, je vais jouer une fontaine de sang. Quand elle arrive, je vais créer un marqueur, je vais créer un token food. Et je peux pour 4, je peux sacrifier, je peux le sacrifier, je retourne 2 créatures de mon cimetière dans ma main. Donc je vais mettre le marqueur food. Blood ici. Et ça va être une fin de tour. Ok, bah je vais dégager tous mes mana. Voilà les gens, je ne pouvais pas faire plus. C'est toujours pas mal. Ouais. Je vais piocher et je vais piocher une deuxième carte. Du coup, j'ai littéralement ramené tout mon cimetière. Pour 1. 2, 3. 3. Retour en vrai, ouais, clairement. On a eu, y a tout le cimetière qui est revenu. Ouais. Il n'y a même pas eu de Living Death. Ouais, c'est ça. J'adore ce genre de deck. 5. Bon, allez. Bon, le premier. Je vais jouer mon général. Quand il arrive sur le champ de bataille, je vais. Ça, c'est vrai qu'il y a lui aussi. Je vais dire que Metal, tu vas exiler les cartes jusqu'à révéler une carte de terrain. Et c'est exilé. Ok. Une. Voilà. C'est bien. Faut que je mette de côté celle exilée. Ouais, j'ai joué une horreur, je pioche une carte. Ah, mais alors il est beaucoup plus que moi, j'ai d'autres cartes en exil là. Je vais lander. Il peut pas attaquer ce tour-ci, non. Oui. Non. Mais au cas où. Bon, je pense que c'est compliqué. Pour 4, j'ai joué un Revenu Chupacabra qui va détruire ta 6-6. Ok, elle est détruite, vu qu'elle n'a... Ouais, elle est détruite. Je pioche une carte et Metal t'exile jusqu'à temps que... tu révèles une carte de terre. Il a décidé de te meuler. 2, 3, 4. On est d'accord, t'as deux créatures avec le vol encore. Là actuellement j'ai une créature avec le vol.
qui est Olivia. Oui, qui est Olivia. Mais du coup, tu peux la rejouer au tour prochain. Si tu me la tues, j'ai les manas pour la rejouer. Que j'ai une créature qui fait que tous mes swamps produisent 2. Ouais. Et même 100. Parce que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je ne l'ai lancé qu'une seule fois depuis la zone de commandement. Ouais, mais en plus je suis con parce que je t'ai tué ton machin mais il va revenir. Oui, alors que si t'avais tué Olivia, j'avais. Ouais. Si, j'avais encore. Non, j'avais encore une créature. J'avais encore un vampire légendaire, donc il serait pas mort. Ouais, c'est pas, que... quand... c'est pas quand que... Olivia. En fait, quand Olivia dit la créature qui est ressuscitée, quand je ne contrôle plus de vampire légendaire, je l'exile. Sauf que tu. Ah, bah, en fait, je faisais l'inverse. Je tue Olivia et elle est exilée. Non, si, j'ai une autre créature légendaire sur le board, en fait. J'ai une autre, un autre vampire légendaire sur le board. C'est ça que je te... D'accord, bah, de toute façon, je vais exiler Olivia à la place, du coup, je suis désolé. Enfin, je vais détruire Olivia. Ok. Voilà. Et donc, tu as une créature légendaire, c'est ça? Oui. Qui peut devenir il peut devenir indestructible en sacrifiant. Oui, je vais l'exiler. Quand il arrive sur le champ de bataille, j'exile une autre créature. Et quand lui il meurt, je retourne sur le champ de bataille sous ton contrôle. Tu l'exiles. En réponse, je vais le sacrifier quand même. Avec sa capa pour le rendre indestructible. Si tu sacrifies une autre créature. Oui, je sacrifie une autre créature. Ah d'accord, ok. Je sacrifie elle. Et là. D'accord, là elle meurt et lui il exile. D'accord. Voilà. Comme ça je l'exile pas. Et du coup, vu que j'ai joué encore une horreur, je pioche une carte. Et on est d'accord qu'il n'y a plus de créatures et des counter slugs. Hein, attends, je le mets pas. Temps. Est-ce que je le mets dans le cimetière ou pas? Moi j'en ai pas. Moi j'en ai deux. J'en ai aucun moi. Non, je vais le mettre zone de commande. J'en ai deux avec des marqueurs. Enfin, j'ai deux marqueurs slugs sur une créature. Et donc tout ça, ça vient d'arriver. Ça, c'est dans le fond. C'est pas ouf. Ouais, de toute façon. Je vais attaquer. Je vais t'attaquer du coup, Arc-en-Ciel. Avec le Sire. Et. C'est une 5-7. Ok. Et je vais attaquer aussi avec 8 slugs. Je vais bloquer une slug. Je vais gagner 4, du coup. 1, 2, 3, 4. Et perdre combien? Donc 5 et... 5 et 5, 10. Ok. Je suis à 23. Et 3, 4, 5, 6, 7, fin de tour. Qu'est-ce que je pioche, moi? Ah! Ah, bonjour. Ouais, mec, ça vient plutôt ça. Et du coup, t'as exilé aussi Terminus, quand même? Exilé quoi? Quand j'ai joué le Faceless, du coup, tu exiles si tu as révélé un terrain. Ah, tu me l'as pas dit en fait. Ah, désolé. Damnation. Burn Alive et un terrain. Okay. Damnation, moi c'est détruit tout. Ok, hop. Bien joué. Enfin, les mecs, ça vient d'avant. Il y a juste des terrains qui fait. Je joue Olivia, j'attaque, je suis mort. J'aurais bien joué une ruine recluse. Ça ressemble un peu à ça, ouais. J'avoue, ça ressemble à ça. J'ai un scry. J'ai pas envie de garder ça. Hein. En dessous. Et fin de tour. Après, on peut faire une alliance hein, si tu veux. Fin de ton tour, je craque ma Skybridge pour piocher. Tu mais t'as encore deux adversaires à 34 et 30 points de vie chacun. Ils font rien depuis le tour. Ouais, c'est clair. J'en ai rien à faire. J'étais bien au début. Je ne jouerai pas Toxtreme. Ah non, mais là, j'ai une carte en main pour Toxtreme. Tu sais que si t'es mort, tu ne peux pas jouer Toxtreme. Hein. Oui, c'est ça. Et en plus, c'est ça. Ouais. c'est vraiment le. Ah, mais je propose de l'aider, c'est tout. Oh oui, bon ça. Et en fait, faut proposer un truc qui aide du coup. Oui. Je l'aide et je ne touche pas à son board, je ne contre aucun ses sorts, je le meule pas, enfin voilà quoi. Je ne fais rien pour l'emmerder. Je joue un Drugstall Reinforcement. Je pas, ouais. Et pour 6, je vais jouer mon général. Yaini revient. Attends, Rodan, non, il coûte 8. C'est qui Yaini? Je me suis.
Oui, Yaini, vu que je l'avais exilé avec le Faceless, il revient sur le champ de bataille. Ok. Je ne vais pas jouer une 2-2 qui va crever comme rien du tout sur Toxic. Tu as les gens. Ça coûte 5. Comment dire ton... Ah, la créature légendaire. Plus 2. Celui-là Yaini, il reste 1. Ah, il revient. Je crois que c'était. Ah, c'est jusqu'à qui quitte le champ de bataille. Ouais, c'est exilé. Eh ben, ça va être juste quitte le champ de bataille. Parce que l'autre, il coûte. Non, il coûte que 9 en fait. Ça peut changer. Machin. Ça peut changer des choses. Tu vois là que je suis pas si méchant. Ouais, arrêtez les hémorragies, on va essayer. Et du coup ils m'ont cité. Excusez-moi, je refais un peu tous mes plaies. Je fais un temple. Comme ça c'est fait. Donc j'avais mal compté et tout ça. Donc je rejoue pour 9 mon team 1. Et j'ai repris mes terrains, donc comme ça les viewers attentifs auront vu à peu près toute ma main. et je fais un temple parce que faut arrêter d'avoir des terrains parce que je ne pioche que ça. Les viewers attentifs ont vu ta main, mais les joueurs n'ont pas été attentifs. T'inquiète. Ouais, moi, tu peux lander. C'est ça, je profite. Ouais, je peux lander. Ça va vider ma main. Ça va être bien. Combat, je vais engager Yain. Voilà. Ok. Fin de tour. Et est-ce qu'il a un marker stone ou Non. Je le désengage quand même. Ok. D'étape draw. Du coup, on est d'accord, je peux lander sans qu'il y ait de... Oui, c'est bon, tout est mort. T'as combien de landes ? Oh merde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est beaucoup, 10. Tu peux y aller. Tu me fais peur. En plus, tu peux pas répondre à un land. Non, c'est vrai, mais j'ai une capa qui peut répondre à ton land. J'ai mis mon 11e land à mon tour, je te prête. Ah bah, ça va me faire plaisir. Vas-y. Ah... Alors, c'est moins fort, Timon, tu vois tout de suite. Faut que je réfléchisse, sacrément, je fais ça. Qu'est-ce que j'ai comme créate dans le cimetière ? Alors, plutôt, qu'est-ce que j'ai comme créate que je m'en fous pas dans le cimetière ? Ça. Ça va être compliqué. Non. Pourquoi je réfléchis comme ça ? Pour 1. Alors, c'est toi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je joue mon commandant. Ne t'inquiète pas, Alfie, je vais pas te tuer. Je te mets à 1. Je pioche. Ok. Oh là là, je me déteste. Alors. Phase de sauce. Tu tues pas Alfie ? Je sais pas si je le tue en fait. Il a combien de cartes en main ? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dont Toxril. Mais si t'as pas envie que je joue, je le rejoue pas. Si tu as. Si t'as. Comme je dis, je ne fais plus rien pour toucher à ton board. Donc, Écoutez, s'il ne fait plus rien pour toucher à mon board, ça me va. De toute façon, il va mourir avec son... Oui, voilà, dans cette tour, je suis mort avec mon collectionneur. Dans cette tour, il est mort. Après, c'est de la politique. Ouais. C'est pas chaud de faire cette tour de plus, là, je t'avoue. Ouais, c'est clair. Ouais, mais du coup, faut que je vous affaiblisse avant. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Oui, c'est alors, si c'est ça... Je peux l'aider à gagner pendant cette tour. Si c'est ça, je vais engager Olivia. Ah, mais oui, c'est vrai, tu peux faire ça. Oups. Si tu pas... Si tu pas Alfie, moi, j'engage Olivia. Ok, bah tant pis. Tu peux attaquer avec Yaini. Ouais, bah fin de tour. Bah non, mais en même temps, si vous avez tous un truc pour contrer mon deck, je fais quoi moi aussi ? Bah tu tues Alfie. Tu tues Alfie, voilà. Putain. Alfie, c'est à toi. Ah moi, de toute façon, je tue pas. Je pioche. Et bah, il va nous regarder pleurer. Bah, je vais t'aider, toi, Ragan. Je vais lander. Je suis à mon 12e land. Yes, je fais un terrain. Ouais. Ouais, je fais des choses. Ragan, il pose des terrains. T'as une belle collection de terrain. 4, c'est vrai, t'as vu. Presque un de chaque. Pour 7, du coup, je vais rejouer en brise et je vais continuer sur métal. Quand il arrive en jeu, c'est ça ? Ouais.
D'ailleurs, j'ai oublié de toucher ma deuxième carte et de perdre mon point. Ouais, parce qu'on la regarde. Jusqu'à temps que tu reviens dans le terrain. Arc-en-ciel qui dit Shizu aussi. Je vais payer 3 et je vais jouer un chasse musculaire. C'est pas faux. D'ailleurs, avec Ombris, j'ai pioché ma carte. Ensuite, avec du coup le Storm Soldier, je pioche aussi ma carte et Metal qui va à nouveau te guider jusqu'à ton arrivée en terrain. Il va avoir plus d'exil que dans son cimetière, le pauvre. Moi, ça me dérange pas de me lire. Et pour 4, je vais faire un Irenivicus Ville Duplication, je vais copier mon Umbris, je vais piocher une carte et tu vas te meuler jusqu'à révéler deux terrains, parce que j'ai deux fois l'effet de l'Umbris qui se met en repli. Donc un terrain direct. Voilà, et le deuxième. On voit le deck passer. Hein. Et c'est une fin de tour. Okay. Non, t'as une phase d'attaque. Oui. Du coup, déjà, t'as une copie, non? Oui, j'ai une copie, je suis en train de la créer. Ok, bah tu engageras l'autre. La vraie. La vraie. Ouais. Pioche. En métal, je peux engager la copie. Hein. Voilà, ma belle copie. Voilà. Je veux bien que tu engages la copie. Non, il m'a dit. Pas pour le moment. C'est pas en fait d'attaque. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Excusez-moi, j'ai 9 cartes, je me défausse. Bah, du coup, je vais me défausser du Toxtril, comme ça, voilà, hop. Et je vais me défausser d'un Ethereum Abomination. T'as Ombri, c'est quoi, une 1-1? Non, ah, vu ouais. Que du coup j'ai pioché deux cartes, du coup c'est une. Il a deux marqueurs. Ah, c'est bien de le préciser. J'ai pas fini, j'étais en train de faire. Je vais engager quand même quelque chose hein, de toute façon. Oui, tu peux. Sauf si tu préfères que ce soit la tienne, mais bon. Ah oui, t'as une pauvre 1-1, oui, d'accord. Mais elle a contact en fait. Ouais, c'est pas faux. Ouais. J'ai passé en phase d'attaque. Je vais engager. Je vais engager long. Ah bah du coup c'est peut-être mieux d'engager le chasme. Oui. Ouais, bah j'engage le chasme. Parce que j'arrive pas à le voir venir, mais je crois qu'il va te mettre plein de trucs. Ouais, quand il meurt, ouais, je paye X1-1, X étant ouais. Le nombre de marqueurs dessus. Ouais, en vrai c'est mieux, t'as raison. Ok, bah écoute, je prends... Je vais mettre 1-1 contact mental. Je prends 1, je passe à 5. Non, je vais mettre 2 marqueurs plus en plus en dessus. Pour 8. D'accord, je sais pas comment... Mais... C'est Sakapa, c'est ça? Ouais, c'est Sakapa. C'est Sakapa. Keep, je prends mon tour. Non, là, clairement, on n'achève pas Alfie qui est allongé au sol dans son sang, quand même. Ah, mais rien à faire. Moi, je l'achète pour les 3 prochaines games. C'est Halloween. là, il y a la tête dans la citrouille, et puis voilà, quoi. Allez. Rien à faire. Et je te rappelle que genre, il me meule tout mon deck. Ouais, grave. Oui, genre, il a des 1000 là sur le champ de bataille. Genre, non, moi je le tue tous les jours. Si tu peux. Ouais, mais tu peux les bloquer mes 1000. Ah non. On a deux. Il va falloir jouer des créatures plutôt que de pomper tes créatures. Arrête de te plaindre. Mais après, tu sais, dans 3 tours, je suis mort. Hein. Avant c'était 6, j'ai bien fait de t'attaquer, tu vois. Ah ouais, voilà. Ouais. Je vais faire pour 8. Je vais jouer mon général. Je vais jouer Roda. Pour 3. Alors attends, non. Bah je suis un peu obligé parce que sinon je peux pas, parce que c'est rituel. Ouais. Pour 3, je vais piocher une carte pour chaque créature engagée. Ah, c'est un target. Donc en plus, voilà, c'est pas un plusieurs. Je vais piocher 2 du coup, ouais. Peut mieux faire. Oh, un terrain. Un terrain qui arrive à engager, à moins que je contrôle une créature légendaire. J'en ai. Mais tu pouvais pas attaquer avant pour piocher une carte de plus? Mais non, parce que je le tue.
Ah, c'est un rituel, ça se tient. Bah après, tu pouvais ne pas me tuer et piocher une carte de plus. C'est vrai, mais t'avais qu'à pas jouer Toxtree. À un moment, faut finir la game. Je vais engager Yaini d'ailleurs, tiens, pour voilà. Bah super. Et je vais t'attaquer avec une 3-4 vol. Ok. Alfie. Non, c'est normal hein, qu'il me tue. Hein. Un moment. Bah, c'est pour ça, arrête de te plaindre. Hein. Tellement. Je vais sacrifier une fontaine pour remonter deux créatures de mon cimetière dans ma main. Je vais remonter évidemment le nécromant. Et je vais remonter un truc qu'on n'a pas vu. Et juste non, pour mais clairement, le vampire socialiste. Le deal de la reine Phyrexiane, genre jamais ça passe. Mais oui. Promis, dans 14 tons, je meurs. C'est dur. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais jouer le nécromant de la lignée. Trigger, je ressuscite un vampire. Je vais ressusciter Patron of the Velm, qui quand il arrive, je vais détruire une créature qu'un adversaire contrôle. Je vais détruire ton commandant qui engage les trucs. Je comprends pas. Quoi, 11 à la fin. Il me reste deux mains. Attendez, je vais rigoler ou quoi? Je peux jouer le vampire socialiste. Mais il nous en reste le vampire socialiste. Est-ce que je le joue? Attendez, est-ce que je le joue maintenant? Non, c'est nul. Oh, je le dis comme ça. Non, c'est nul. Pour deux, je vais jouer une Cata Réunion en coup supplémentaire. Je me défausse de deux cartes. Je vais me défausser d'un Sanctium Seeker et d'un Crossword Troublé. Et mon anglais est horrible. Donc le premier, c'est une 3-4 pour 4 qui dit qu'à chaque fois qu'un vampire attaque, chaque adversaire perd 1, je gagne 1. Ouais. Par vampire qui attaque. Et l'autre, c'est une 5-5 qui dit qu'avec tous mes vampires ont le Death Touch lien de vie. Et quand un de mes vampires meurt, je peux payer 2 points de vie pour piocher une carte. Et je pioche 3. 1, 2, 3. Je peux rentrer en phase d'attaque ? Ouais. Est-ce que quelqu'un a du vol ? Très bien. Je sais pas. Alors, lui vient d'arriver. Je vais mettre phase d'attaque avec une 4-3 vol sur toi, Ragen, et une 2-2. C'est une 2-2 sur toi, Metal. Ouais. Trigger de Olivia avant tout. Ouais. Je vais ressusciter Necropolis Regend. C'est une 6-5. Alors, elle va attaquante. C'est une 6-5 vol attaquante. Donc elle va t'attaquer, Ragen. Ouais. Qui dit qu'à chaque fois qu'une créature que je contrôle inflige des blessures de combat à un joueur, il se met autant de marqueurs +1/+1. Ok. Bah tu mets 9, si je dis pas de bêtises. Oui, donc 3 points de général. Ouais, ici. 21. 6. 6 marqueurs ici. Et 2 là. Et bah c'est une très belle phase d'attaque, fin de tour. Attends, s'il n'a pas été déclaré attaquant, ok, donc c'est bon. Non, elle devient tapée. Non, elle devient pas tapée, elle arrive tapée. Donc ça, elle arrive tapée. Ah ouais, donc c'est bon. Vas-y, vas-y. Ouais. Ouais, ah. Ça passe. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ouais. Je vais refaire mon combat. Qui du coup, j'ai toujours le délirium. Donc je vais faire des... Cette fois, j'espère qu'elle reste tombée. Faire des 1, 2 portées. Et j'en fais 3. Fin de tour. J'ai rien. J'ai oublié de mettre le marqueur sur le patron de. Intéressant. Metal, ton commandant, c'est une combien? C'est 3-5. Contact mortel? Non. Il coûte tellement cher. Okay. Attends, je vais payer pour 7. Ok.
qu'il a 9. Je suis un peu perdu, désolé les gens, sur le... la taxe de commandant. Ça commence à faire beaucoup. Enfin, 11 mana, je pense. Il faut le 11, hein, c'est ça. J'avais un doute. Ça me paraissait énorme, mais bon. Parce que tout à l'heure, du temps, dans le chat, il parlait de payer 9. Il faisait la blague avec Zakama. Ah oui, oui, t'as raison. Merci le chat. Merci le chat. Bien évidemment. Le chat, toujours l'arbitre, c'est le chat. Imaginez un vrai tournoi, c'est l'arbitre, le chat, le bordel. On s'en sort pas. 4, 7. Oui, je sais. Alors, je vais faire un Distraction Geist. Ouais, quand elle attaque, tu engages une créature. C'est exactement ça. Je l'ai joué en standard. Enfin, en brawl. En brawl, ouais. Parce que standard, c'est. T'es un peu mignon, quoi! Bah, avec un brawl qui dit que tu pioches quand tu engages. Ouais. Spoiler, ça marche pas. Ça ne marche pas, oui, effectivement. Ouais, ça marche, c'est pas mal. Pour 4, je vais faire un Drogstole Reinforcement. Donc, c'est une Spirit. Non, c'est un. Oui, Spirit Soldat. 2-2 mêlée qui dit que mes autres soldats esprits ont la mêlée. Donc, Distracting à la mêlée. Et du coup, je préviens toutes les blessures non combat qui devraient être infligées aux esprits. Et il me reste 4 mana. T'as quoi dans. Là, c'est quoi? C'est une 3-2 Lifelink et l'autre. Moi, c'est une 3-2 Lifelink et une 4-4 vol. Alors, normalement, c'est une 5-5, mais j'ai oublié de mettre son marqueur tout à l'heure, donc tant pis. Et bah, écoute, je t'attaque. Avec une, 3... avec une 4-4. Vigilance. Je vais prendre 4. Ça marche. Tu prends 4 de général. Ouais. C'est important. Fin de tour. Et tape. Draw. Alors, comment je vais la jouer celle-là? Déjà pour 2, je vais jouer une voie lancinante. En coup supplémentaire, je me défausse une carte. Et je vais me défausser d'un Markov Enforcer. C'est une 6-6 pour 6 qui dit que quand il arrive sous champ de bataille ou qu'un autre vampire est sous champ de bataille, il affronte une créature qu'un opposant contrôle. Et quand une créature qu'un opposant contrôle meurt, je crée un jeton Blood. Du coup, je pioche 2. Je vais lander. Quelle est l'endurance maximum de vos créatures, s'il vous plaît? 4. 5. 5? Oh la vache. Bah, pour 1, 2, 3, 4, 5. Je relis quand même la carte pour pas être trop débile. Je vais mettre Olivia Warth. C'est toutes les créatures non vampires gagnent -X, X étant le nombre de vampires que je contrôle. Je mets -5, -5 à toutes les créatures non vampires. Ouais. Je préviens les non-combat damage. Oui, mais c'est des -X, -X. Je préviens les non-combat damage. Allez, Zou, allez, envole-toi. Pour la fois, ça repart en command zone. Ah, ils sont vraiment esprits, c'est mes bestioles, hein, putain. Ouais. Hop. C'est. J'ai mal tapé mes mana, tant pis. Je vais jouer Sentry Tempering, un enchantement pour 3 qui dit Hideaway 5. Donc je vais regarder les 5. Quand il arrive, je vais regarder 5 cartes au-dessus de ma bibliothèque. J'en mets une exilée en dessous et le reste dans un ordre aléatoire en dessous de la bibliothèque. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre ça en dessous. Et au début de mon entretien, je peux me mêler de 3. Et si j'ai 20 cartes, c'est 20, c'est ça, hein? Ouais. Ouais, c'est 20. 20 cartes ou plus dans ma bibliothèque, je peux lancer le sort sans payer son coup de mana. Et pour 2, Vampire Socialiste. Le voilà. Le voilà. Phase de sauce. Alors, est-ce que je peux rentrer en phase d'attaque? Pour moi, oui. Après, c'est Metal de décider en premier. Metal? Oui, vas-y. Je te permets. Alors, je vais attaquer avec tout, même si lui, il vient d'arriver, il ne peut pas. Minimum. Non, contrôle, die. Oh putain, j'ai oublié de dire que tout est. Non, bon bah, j'ai encore oublié son trigger. Tant pis. Parce qu'il devait gagner un marqueur +1/+1 et exiler toutes les créatures qui sont mortes. Tant pis. Donc. Enfin, y a rien qui est mort, de toute façon.
Bah si, quand j'ai rasé le board avec les moins 10, moins 10. Mais tant pis, c'est ma faute, c'est my bad. Je dois d'abord désigner qui j'attaque, avec qui j'attaque, sur qui, d'abord, très important. Je vais envoyer ma douce douce sur toi et Olivia, donc tu prendrais 18, et j'envoie le reste sur toi, Metal, donc tu prends 4, 8, 9, 10, 11. Trigger d'Olivia, je ressuscite une créature attaquante, Markov en Enfoncer, qui va t'attaquer, Ragan. Ok, donc tu me tapes pour 24, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ai peur. T'as quelque chose avant les blocs, Metal? Non, rien. J'ai peur. Oui, faut pas trop non plus avoir peur. je vais juste piocher. Quand la Manistone, tenter de piocher. Et j'ai ouvert un spirit pour bloquer, sauf qu'il a pas le flash. Bien joué. Putain, j'avais le mana en plus. C'est dommage. Et Metal, en plus, c'est le Tribal Spirit. Donc ils vont tous gagner autant de marqueurs que leur force. Donc elle va en gagner 6. Elle va en gagner 12. Donc elle a 18 marqueurs. Et ça va être une fin de tour. Hop, lui va en gagner 4. Et je gagne 3 points de vie d'ailleurs. À 3 pioches près. À 3 pioches près. J'avais 2 phrases du coup. Ah, et merde. Ben bravo, ouais. Bravo. Hop là. Bah GG hein. Yeah. Bah surtout à toi. C'est toi qui as gagné. Alors Alfie, petit débrief de la partie. Ouais, bah, est-ce écoute, que t'as vu un play qui t'a. J'ai déjà arrêté la mauvaise foi. Je trouve que mon deck est bien sorti. La faiblesse du deck en effet, parce que ça reste du niveau 6, bah, c'est que je n'ai pas de réanimation de masse ni rien du tout. Donc du coup, bah. J'ai créé un board et du coup bah la vrace et puis hop j'ai plus rien, donc ça c'est normal, c'est le principe du deck 6. Voilà, en play que j'ai bien aimé, c'était bah, le tour d'Arc-en-Ciel qui a joué sa madame qui a attaqué, qui a réanimé son truc, qui a réanimé un nouveau truc et ça partait de là quoi. Ouais, bah, moi je suis content, hein. Je, même sur leur lead de la partie, j'ai fait plein d'araignées, c'était sympa, j'ai pris focus un peu trop vite je pense, du coup je me suis fait genre annihiler avant que le Toxreal arrive, donc le Toxreal m'a mis encore plus au fond et genre j'ai jamais pu revenir, mais j'aime plus que ce que je pensais ce genre de deck avec les araignées, franchement. Ça donne plus envie de jouer chez l'homme en commandant, effectivement. Maintenant que j'ai joué chez l'homme, je vois pourquoi. Chez l'homme, il a l'air incroyable, franchement. Ouais, ça a l'air vraiment bien. Ah ouais, c'est très fort. Oui. Ça a l'air bien. Dépendant de ce qu'il y a en face, mais. J'avais un plan, toi, de jouer chez l'homme, Planeswalker, et de comment dire, de tuer mes propres Planeswalker pour qu'ils reviennent en tant que food. Non, franchement, c'était sympa. Du coup, moi, bah, j'ai quand même apprécié les généraux, beaucoup trop chers, donc ils sont morts trop de fois et ça coûtait beaucoup trop cher à réanimer. Donc c'était un peu dommage. La partie est. Enfin, il y a eu beaucoup de terrain, il y a eu pas mal de cartes mortes. Donc c'est vrai que c'était un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai bien aimé? Il y avait pas mal de choses qui étaient bien quand même dans cette game. Mine de rien, même si on l'a pas comptabilisé parce que je savais pas, bah le côté double Toxreal c'était sympa quand même, pas très sympa à subir, mais c'est assez intéressant à savoir en tout cas, que du coup si t'as deux Toxreal, bah les compteurs font moins de moins 2. Donc c'était intéressant. Bon, évidemment, c'était ton play arc hein, qui est. Je sais pas ce que tu diras, bah tu peux pas le dire, tu peux pas le citer celui-là. Mais voilà, donc du coup, ouais, le double Toxreal, j'ai trouvé ça intéressant. Ouais. Et du coup, notre championne. Bah moi, le play que j'ai bien aimé, bah, c'était le play de Metal, qui, en fait, quand j'ai attaqué avec la créature qui fait sacrifier les non-vampires,
dans ma tête, j'ai fait « Mais non, il va jamais bloquer. Voyons, ça l'emmerde. » Et là, il fait « Je bloque. » Et dans ma tête, je fais « Wait. » Non, mais je comprends pourquoi... Poussé, les... Je t'ai fait un peu non, poussé. En vrai, moi, j'avais aucun intérêt à le tuer. Mais c'est vrai qu'à Noon, dans ce genre de game, ça peut vite être long et chiant. Donc, je me dis « Vas-y. » Et puis, j'ai joué toute seule. Non, mais... Bon, Alfie, t'es pas obligé de le remettre. Fais-toi un peu discret, s'il te plaît. Ouais. Deux fois. Parce que pense à moi qui dois me retaper toute la game pour tout cutter. Pour c'est tout clair, c'est beau. Bon, j'ai essayé de faire les tours hyper courts, j'ai pas... Ouais. C'est pas ton résumé. Par contre, voilà. Du coup, j'espère que... j'essaie de jouer vite, mais des fois j'étais en mode « Attends, comment je dois séquencer ma réanimation ?» Et j'espère que c'était pas trop long. Non, franchement, ça allait. Non, t'as joué rapide sur les séquences. J'ai essayé de réfléchir en avance, mais des fois, j'étais en mode oula. mais non, ouais, c'est vraiment le fait qu'il ait chopé mon vampire et que je suis en mode bah, elle est bien ta food. Bon, j'étais là, non, on est reparti pour un tour. C'est horrible. En tout cas, voilà le chat, c'était la soirée Halloween. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, malgré tout. N'hésitez pas à proposer sur le Discord, plutôt, parce que là, du coup, on va tous un peu partir, donc on n'aura peut-être pas trop la tête à se souvenir, mais n'hésitez pas, vous pouvez toujours proposer des généraux pour les soirées dédiées aux commandants des abonnés. Donc n'hésitez pas à les proposer à ce moment-là. Et même hors ça, vous pouvez proposer des thèmes, parce qu'on fait quand même régulièrement des thèmes. Là, vous voyez, il y avait Halloween la semaine dernière. C'était... je ne sais déjà plus ce que c'était. Mais voilà, ça fait du beau, ça présente, mais ça ne sert rien. Ouais, on avait... Non, la semaine dernière, c'était comment ça s'appelle ? Les Doctor Who, excuse-moi. En fait, j'ai compris Doku dans ce que tu as dit. Parce que je vois le... Non. Vu qu'il y avait une soirée pour son anniversaire aussi. On a donc du coup XLAN, on a les commandes abonnées. Voilà. On a plein de thèmes classiques, mais on essaie d'en proposer d'autres de temps en temps. Peut-être que les nouveaux thèmes arriveront qu'à partir de janvier, mais si vous avez un thème que vous avez envie de proposer et de voir, bah en fait n'hésitez pas. Et nous on les met, mettez-les sur le Discord, sur le YouTube en commentaire. Voilà des endroits où on peut voir et où ça reste longtemps. Et puis voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, merci en tout cas de nous avoir suivis et puis merci Arc, Alfie et Metal pour la game. Bah, merci je propose qu'on se dise à la semaine prochaine pour une nouvelle game de Commander. Bye bye à tous. Ciao.